excuses. On both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. Not so, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always a puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. Bienvenue pour ce nouveau numéro d'Enquête de Région, votre magazine d'enquête et de reportage en Bourgogne-Franche-Comté. Bien gérer ses émotions pour tirer satisfaction de toutes les situations, même les plus intenables, ôter le stress et ou déstocker les graisses. La dictature du bien-être impose de maintenir un esprit sain dans un corps parfait, à la maison, au travail ou encore bien sûr à la salle de sport. Dans notre tête et dans notre assiette, Enquête de Région s'intéresse au bien-être à tout prix. Ils ont décidé d'arrêter de manger. Démarche diététique, spirituelle ou thérapeutique, le jeûne fait de plus en plus d'adeptes. Au bout de 3 jours, la sensation de faim disparaît, la sensation de fatigue disparaît, pour laisser place à un réel sentiment de liberté. Le travail est souvent un facteur de stress, l'entreprise peut rendre malade, alors certaines tentent de trouver des solutions pour veiller au bien-être de leurs salariés. C'est important de faire une entreprise où les gens se sentent bien, où ils ont envie de rester, où ils se sentent importants, où ils savent où ils vont. Il est des moments où l'on a vraiment à cœur de réussir. Pour changer de vie ou remodeler son corps, une assistance permet bien souvent d'optimiser les résultats. Pourquoi se faire aider? Parce que voilà, on essaye un petit peu par soi-même de faire un petit peu quelque chose, mais au final, il n'y a rien qui marche. Puis surtout, on n'est pas assidu, on n'a pas la motivation tous les jours. Le coach, voilà, c'est quelqu'un qui est là, qui est derrière soi, qui nous dit quoi faire, comment le faire. Le bien-être à tout prix, c'est tout de suite dans Enquête de Région. Sentir autrement, comme quand j'avais 20 ans, le séduire, t'envahir et attendre. Parmi les méthodes pour se sentir mieux, le jeûne fait de plus en plus d'adeptes. Démarches diététiques, thérapeutiques, spirituelles ou écologiques, les raisons de s'y adonner sont multiples. Mais en France, contrairement à d'autres pays, le jeûne n'est pas proposé dans le cadre médical. Alors l'abstinence alimentaire est-elle bénéfique pour notre santé? Quels en sont précisément les bienfaits, mais aussi les dangers? Voyez notre enquête. Ça va ? Avant d'être réunis ici, ils ne se connaissaient pas. Alors, c'est... comment s'est passée cette petite nuit ? Mieux. J'ai pas vomi cette nuit déjà. Non, j'ai pas beaucoup dormi. J'étais pas fatiguée en fait. Je me suis réveillée souvent. J'avais mal au dos, dans le bas du dos. Je pense que l'intestin. Là, Bizarrement, d'habitude, je me lève avec le mal de tête. Et là, ce matin, je me suis levé sans mal de tête. Alors que la nuit, je l'ai senti, en fait, parce que j'ai eu des micro-rêvés. J'ai rêvé que j'allais prendre un apéro. D'un coup, je me rendais compte, mais mince, je suis en jeûne. Et là, je dis, ah, c'est pas grave, j'ai mangé des radis, tout ça. Enfin, voilà, j'essayais déculpabiliser. Donc, j'étais contente de revenir au monde réel où je n'avais pas fauté. À 18h30. Dans ce gîte, ils vont vivre des vacances d'ascètes. Durant 5 jours, leur seule nourriture sera intellectuelle, spirituelle, immatérielle. Le jeûne, c'est pas un régime, c'est pas un miracle, c'est simplement quelque chose qu'on devrait mettre dans notre hygiène de vie ou dans notre philosophie de vie. Et c'est surtout un booster pour accompagner les gens, pour les aider à remettre un peu d'ordre, aussi bien au niveau alimentaire, aussi bien au niveau émotionnel. Enfin voilà, ça aide, c'est vraiment une aide qui est assez sensationnelle. Au programme de ce séjour détox, différentes activités physiques, yoga, fitness et surtout des randonnées. Ce cheminement est une parenthèse dans leur vie bien remplie. Au cœur de l'Alsace, ils ne renoncent pas qu'à l'alimentation. Le téléphone est coupé, je ne regarde pas Internet, rien du tout. Et je pense pas au boulot, et ça me permet aussi de me recentrer, et de réfléchir à, voilà, aux questions que je me pose dans ma vie. Et c'est vraiment le bon moment, en plus au milieu de la nature. Parce que c'est vraiment un point important aussi. Les raisons de jeûner sont multiples.
Un mois plus tôt, Sylvie a eu un grave accident de voiture. Depuis, elle cherche à se couper du quotidien pour revenir à l'essentiel. C'est plutôt une recherche intérieure, recherche trouver les bonnes réponses, pas savoir s'égarer. J'ai un métier où je suis commerciale, donc on est poussé par tous ces moteurs d'aller plus loin, de chiffres, tout ça. Et aujourd'hui, c'est important, mais c'est juste un moyen, en fait. Et c'est pas l'essentiel. Portée par des courants naturopathes, si le jeûne fait aujourd'hui de plus en plus d'adeptes, les origines de cette pratique sont anciennes. Avant, on jeûnait parce qu'il y avait une raréfaction de la nourriture de maman pendant un moment donné. Et puis après, il y a eu de cette tradition presque païenne imposée, on l'a codifiée sous les aspects religieux, donc les juifs jeûnent pour Yom Kippour, les musulmans pour le ramadan, les hindous pour Ekadashi, et puis les chrétiens pendant le carême. Donc on voit que c'est largement répandu. Avant même qu'on ait fait la moindre étude médicale dessus, on pratiquait déjà le jeûne. Contrairement à d'autres pays, le jeûne thérapeutique est interdit en France. Médecin généraliste, le docteur Lam jeûne à titre personnel. Ses patients sont de plus en plus nombreux à la questionner sur le sujet. Est-ce que je peux jeûner, docteur ? Il y en a même qui demandent des certificats pour que je leur autorise par un certificat officiel de jeûner. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Les médecins sont ignorants, pour dire clairement les choses. On n'a pas du tout le bagage. Moi, je me souviens, dans ma deuxième année de médecine, on nous parlait du jeûne comme quelque chose de délétère et de dangereux pour la santé. En période de jeûne, l'organisme doit se nourrir lui-même. Le premier jour, nos cellules puisent le glucose directement dans le sang, puis décomposent les réserves de glycogène stockées dans le foie et les muscles pour fabriquer du glucose. Dès le deuxième jour, les stocks de glucose sont épuisés. Les cellules doivent trouver un plan B. Elles se servent dans les graisses. Certaines vont aussi puiser dans les muscles, transformant les protéines en glucose. Après le cinquième jour, le corps passe en mode survie. Pour préserver les stocks de protéines, le foie et les reins vont fabriquer des molécules de substitution, les corps cétoniques que le cerveau utilisera. Le corps peut donc se priver de nourriture de façon prolongée, à condition d'être en bonne santé et de s'y préparer. Au cabinet, c'est qu'il y a des patients qui viennent et qui jeûnent, mais d'une manière violente et sauvage, et qui se font extrêmement mal. C'est très délétère. Là, vous vous mettez en crise d'acidose métabolique aiguë, ça peut être des nausées, des vomissements, des malaises, des hypotensions orthostatiques, c'est-à-dire où vous chutez d'un coup, au niveau cardiaque, vous pouvez avoir autant des palpitations que si vous avez un terrain fragile et des maladies cardiovasculaires prononcées, un arrêt cardiaque. Ok. Le jeûne est une porte d'entrée vers le bien-être qui n'est pas sans risque. Dans ce centre, la prudence est de mise. Les stagiaires ne s'improvisent pas jeûneurs. Il y a une préparation en fait avant le jeûne. Donc il y a une descente alimentaire. Donc les gens ont un protocole, reçoivent un protocole à la maison qu'ils suivent avec une descente alimentaire progressive. On procède par étapes, il va y avoir tout ce qui est protéines animales, café, alcool, cigarettes si possible bien sûr. Enfin voilà, et pour terminer vers des légumes et fruits. Raoul est expérimenté. C'est son 7e jeûne et c'est loin d'être son dernier. Une abstinence alimentaire qui lui apporte énergie et sérénité. Écoute, oui, je veux bien. Il n'y a plus d'horaire. On n'est plus rythmé par les horaires du repas. Il faut manger, il faut rentrer à midi, il faut être là le soir, il faut manger. Donc il y a une liberté qui est extraordinaire. Et le corps, au bout de 2-3 jours, c'est un peu le moment où il y a un changement métabolique dans le corps. Et au bout de 3 jours, la sensation de faim disparaît, la sensation de fatigue disparaît, pour laisser place à un réel sentiment de liberté. Se ressourcer, lire, marcher en pleine nature agit forcément sur le bien-être. De retour dans la vie courante au quotidien, qu'en est-il vraiment ? Cette restriction calorique est-elle bénéfique pour la santé ? Aujourd'hui en France, en l'absence de données scientifiques, les médecins sont réticents à s'exprimer. Plusieurs ont décliné nos demandes d'interview. Je pense qu'il y a danger et je pense qu'il y a nécessité urgente de mettre en place un diplôme universitaire, une formation dès la première année de médecine pour parler du jeûne, parce qu'on oublie que nous-mêmes,
Au quotidien, on jeûne. Pourquoi ? Parce que le matin, on petit déjeune, on sort du jeûne. La nuit, on jeûne. Donc pourquoi pas élargir des phases de jeûne pour des patients qui ont un syndrome métabolique, qui ont un petit peu de gras, qui ont une petite bouée, qui sont fatigués, qui perdent leurs cheveux. La pierre angulaire de la santé, c'est le médecin généraliste. Après, il convient à chacun de nettoyer devant sa porte et puis de mettre son ego de côté pour collaborer. Le médecin n'a pas, par exemple, la qualité de formation sur le jeûne que peut avoir Désiré Mérien, qui est un biologiste qui a 55 ans de recherche. Et bien, le but, c'est de faire fusionner ces deux composantes-là. Plutôt que de marcher cas parallèle, on dit médecine parallèle, on se croise jamais, et ben c'est de se croiser à un moment donné. Donc. Et puis faire, je sais pas, des études communes, d'avoir des centres communs, de faire des suivis communs. Et à mon avis, c'est là-dessus où on va se diriger, parce qu'il le faut, sinon les personnes vont jeûner d'eux-mêmes, et peut-être qu'elles ne feront pas toujours les bons choix, parce qu'elles n'auront peut-être pas les bonnes sources d'informations. Ailleurs, les Russes l'exercent de façon thérapeutique depuis 60 ans. En Allemagne, c'est même remboursé et plusieurs cliniques l'encadrent. En France, certains médecins commencent à s'y intéresser. La Fédération Jeûne et Randonnée a popularisé cette pratique diététique. Elle regroupe plus d'une centaine de lieux comme celui-ci. Le séjour se termine pour le groupe de Corinne. Dernier bouillon avant un retour à la vie normale. Si elle semble contre nature, la privation de nourriture a ses bienfaits et ses limites. Sommes-nous face à une tendance ou à l'aube d'une nouvelle thérapie ? L'avenir le dira. Edith Salès-Villemelin, vous êtes ici professeure à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, spécialiste en psychologie sociale et psychologie du travail. On parle dans cette émission du bien-être. On a l'impression qu'aujourd'hui, là, en 2020, on recherche le bien-être à tout prix. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau comme phénomène ? Alors, pour ce qui concerne le bien-être, c'est pas nouveau dans le sens où... En fait, on a toujours été sur des questions, nous en tout cas en psychologie sociale et en psychologie du travail, on en parlera après, mais en psychologie sociale, la question de ce qu'on appelle le happiness, tout ce qui est well-being, c'est les années 70-75, donc oui. C'est pas nouveau. Par contre, c'était un peu, on va dire, des travaux qui étaient peu répandus et pendant une certaine période, du moins en recherche, eh bien, ces travaux ont été un peu mis de côté pour des travaux qui étaient plus en lien avec le stress, tout ce qui est en lien avec, on va dire, les difficultés d'adaptation aux situations environnementales. Et là, depuis les années 2000, la question du bonheur, du well-being, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important. À quoi vous attribuez ça ? Pourquoi ça devient aujourd'hui si important, même si... La quête du bonheur, ça a sans doute toujours existé chez l'homme. Mais... Ça, c'est un phénomène de société, on va dire une lame de fond qu'on voit apparaître avec une question d'incertitude face à l'avenir. Alors, c'est vrai que l'incertitude, on travaille au sein du laboratoire sur la question de l'incertitude, eh bien, va générer finalement des rapports à la réalité qui font qu'on va avoir un sentiment de stress plus élevé, de qualité de vie moindre. Et la question du bonheur et de la quête du bonheur, notamment avec ces nouvelles pratiques, on va dire, puisque c'est un peu la question, ces nouvelles pratiques avec, nous, ça va être ce qu'on appelle les thérapies pleine conscience, la mindfulness, ça c'est du yoga, enfin voilà. Du coaching à tout prix. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est des questions où on va en fait avoir, à mon avis, à mon sens, finalement une situation dans laquelle l'individu, grâce à ça, va pouvoir reprendre le contrôle sur une situation qui lui paraît assez difficile et assez incertaine. Du coup, en mettant en place des procédures, finalement, je vais m'inscrire à la salle de sport, je vais faire telle et telle activité, eh bien, je vais pouvoir reprendre le contrôle sur ma vie. Mais, j'allais dire, ça a un contrepoint. Le contrepoint, c'est celui qui est malheureux, c'est celui qui n'a peut-être pas tout fait pour pouvoir en arriver
finalement récupérer ce sentiment de certitude et puis peut-être être heureux et atteindre cet état-là. On parlait bien-être et on a dérivé finalement sur le bonheur. Oui, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que finalement on ne recherche pas le bonheur à travers le bien-être? Voilà, c'est ça. Alors évidemment, parce que nous, on parle effectivement de happiness. Bon, ouais. C'est effectivement tout ce qui est bonheur. Et dans le travail, par contre, on va parler plus de well-being, c'est-à-dire finalement de bien-être. Parce que le bien-être est opérationnalisable, on peut le mesurer, même si c'est de manière indirecte. Presque le matérialiser. Voilà, c'est ça, on va le matérialiser. Il va falloir, alors on a même des échelles qui mesurent le sentiment de bien-être. Mais le bonheur, c'est quelque chose quand même de beaucoup plus difficile déjà à définir et après à mesurer. Et donc du coup, comme on est quand même dans la science, la science c'est la mesure, c'est aride aussi pour ça, mais en même temps c'est tout ce qui fait l'intérêt. Quoi. On parle beaucoup ces dernières années d'apicratie. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de dictature du bien-être, dictature du bonheur? Est-ce qu'on est obligé d'être heureux finalement, d'être bien, ou est-ce qu'une sensation de mal-être ne fait pas partie tout simplement de la vie? Alors oui, alors j'allais vous dire mal-être, parce que derrière mal-être, il y a tout ce qui est, on appelle nous, résilience, c'est-à-dire la capacité finalement à rebondir et finalement à faire face à la situation. Maintenant, la question de la norme sociale dont vous me parlez, parce que l'apicratie, ça serait une espèce de norme sociale. Eh bien, alimentée par les réseaux sociaux, voilà, etc. C'est ça, Non, vous avez raison. C'est effectivement tous les réseaux sociaux qui vont être finalement, un incubateur, voilà, de tout cela, et peut-être aussi qui vont retraduire les choses avec un nouveau prisme, parce que dans les réseaux sociaux, on ne s'exprime pas de la même manière que vous et moi aujourd'hui. Et on ne montre que le bonheur. Si on va faire une photo pour Instagram tous les deux, on la fait très souriante, avec si possible un coin de ciel bleu, etc. Oui. On montre le bonheur. Oui, on montre le bonheur, mais parce que peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, étant donné cette multitude d'activités possibles, alors évidemment, maintenant, on a plus que ces activités, on a les applications, maintenant sur téléphone, qui permettent justement de s'auto-réguler et même on a des applis qui permettent de mesurer son bien-être, c'est quand même... Fou. Oui, non, mais c'est ça. Alors du coup, on a une espèce d'obligation qui serait de absolument être heureux. Mais c'est ce que je vous disais, c'est que étant donné cette multiplicité de services qui s'offrent à nous, ne pas être heureux, ce serait finalement une incapacité à rebondir ou une incapacité à faire face à la vie. Il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier. On joue. Mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Il y a un endroit où se cristallise particulièrement cette question, c'est le travail. Oui. On parle de plus en plus de burn-out, est-ce que c'est le mal du siècle, etc. En tous les cas, ça se cristallise à cet endroit-là, ça fait partie de vos champs d'études. Oui, voilà, c'est ça. Alors, moi, je m'intéresse surtout, effectivement, à la qualité de vie au travail. Alors ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, extrêmement fondamental. Alors, c'est effectivement une façon de voir les choses autrement que le stress, et c'est pas que... on pourrait dire, même si ça se dit pas, mais ça serait pas du greenwashing finalement. C'est, même si ça a été repris parfois comme cela par certains cabinets, l'idée c'est que dans la qualité de vie au travail, on va effectivement mesurer le sentiment de qualité de vie au travail de la part des salariés sur différentes dimensions qui sont en tout cas porteuses le plus possible de bien-être. Alors pourquoi ? Parce que les études montrent que les individus qui sont bien au travail, qui ont une bonne qualité de vie au travail, sont plus productifs. Voilà. Alors moi, j'y vois pas cet intérêt premier. Moi, ce que j'y vois, c'est que dans la qualité de vie au travail, au lieu de travailler sur, on va diagnostiquer une situation et on voit qu'il y a du stress, que les gens sont mal, je préfère travailler sur la qualité de vie au travail avec des dimensions très différentes et travailler en amont. C'est-à-dire finalement, comment favoriser la qualité de vie au travail et le bien-être au travail dans une organisation en faisant de la prévention. Essentiellement travailler sur les organisations de travail pour qu'elles ne soient plus, maltraitantes, mais bien traitantes.
avec cette idée que derrière chaque poste de travail, il y a un humain, il y a un individu. Et cet individu, il passe une grosse partie de son temps au travail. Et si ce travail, il y va avec la boule au ventre, on va dire que cet individu ne sera pas ni productif, bien sûr, mais il va être aussi source de mal-être pour les autres. Donc ça a une importance assez grande. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me fait juste heureux, si tu le voulais. Le travail est devenu au fil des années l'un des plus grands facteurs de stress. Et oui, l'entreprise peut parfois rendre malade. Face à ce constat, certaines d'entre elles ont décidé d'agir et de trouver des solutions pour le mieux-être de leurs salariés. Et c'est un véritable challenge. Alors, quelles sont les mesures pour favoriser cet épanouissement professionnel et pour quels résultats ? Reportage. Votre médecin, qu'est-ce qu'il dit ? Quel est son regard aujourd'hui par rapport à tout ça ? Elle me sent encore un peu fragile. Fragile ? Voilà. Émotionnellement ? Oui. D'accord. Isabelle Zelmat reçoit dans son cabinet des personnes en difficulté dans leur milieu professionnel. Cette patiente a récemment fait un burn-out. Elle tente de tourner la page. L'épuisement professionnel. Isabelle sait bien de quoi elle parle. Elle aussi a connu ça. Je donnais toute la place au travail. Donc plus de ressources. Plus d'espace pour récupérer. C'est-à-dire que je ramenais du travail à la maison, j'étais toujours connectée boulot, boulot, boulot. Donc plus le temps de manger, plus le temps d'aller me promener, plus le temps de m'occuper de mes enfants. J'étais devenue très irritable. J'étais devenue un poison, déjà pour moi, mais aussi pour les personnes avec qui je travaillais. Isabelle était assistante de direction dans un service de médecine du travail. Son mal-être, il est arrivé en même temps que d'importants changements au sein de son entreprise. Une nouvelle organisation, des départs. Ces symptômes vont durer plusieurs années, jusqu'à ce jour de juin 2015, où son corps a dit stop. Quand je suis arrivée à mon lieu de travail, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Très vite, j'ai eu une douleur très violente à l'arrière gauche de la tête. Je suis allée voir une de mes collègues. J'ai dit, écoute, là, ça va pas du tout, je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que ça s'effondre à l'intérieur de moi. Elle m'a dit, Isa, assieds-toi. Je vais chercher un verre d'eau, assieds-toi. Et quand elle est revenue, j'étais par terre. Et je me suis retrouvée en soins intensifs en neurologie. Et où là, le diagnostic a été AVC ischémique. La personne avec qui je travaillais a sa part de responsabilité dans le sens où elle ne m'a pas freinée. Elle ne m'a pas dit, écoutez, maintenant Isabelle, ça suffit. Maintenant, c'est moi qui prends les choses en main. Hein, moi, j'ai envie de vous garder, hein, vous êtes précieuse pour moi. Donc, vous allez rentrer chez vous et stop. Je crois que si j'avais entendu ça de sa part, je l'aurais fait, sincèrement. J'ai ma part de responsabilité dans ce qui m'est arrivé. Mais l'organisation dans laquelle je travaillais a sa part aussi. Je vous dis qu'on est des pions. Si on est des pions, on n'est pas des êtres humains. On n'est absolument pas écoutés. Aujourd'hui, 2009, France Télécom devient le symbole de la souffrance au travail. 35 salariés se suicident à un moment où l'entreprise est en pleine restructuration. 10 ans plus tard, 3 dirigeants du groupe sont condamnés pour harcèlement moral. C'est la première fois qu'un système de management est mis en cause. Toujours plus de pression au sein des entreprises. D'après un sondage BVA, 65% des salariés, quel que soit leur statut, estiment que le stress est courant sur leur lieu de travail. Pour ce professeur en psychologie, c'est parce que le monde de l'entreprise a changé. Une économie plus libérale, avec de nouvelles exigences. Aujourd'hui, on a moins de temps, on est pressé d'avoir des résultats, il faut répondre à des objectifs financiers, souvent à court terme. La visibilité des organisations est faible. Donc pour toutes ces raisons, en fait, il y a des tensions. Et les tensions, ce sont in fine les salariés qui en payent l'addition. Certaines entreprises ont décidé de s'emparer du problème et font du bien-être l'un des enjeux centraux.
6 heures ce matin-là, ses salariés vont commencer leur journée. Ici, ils fabriquent des sacs sur mesure, notamment pour les industries pharmaceutiques et agroalimentaires. Mais avant de rejoindre leur ligne de montage, ils ont une séance de réveil musculaire. Derrière la tête ! On roule par terre ! On serre les doigts et on descend. Les doigts, on pompe déjà ? Ça nous réchauffe les mains, les poignets, parce qu'on travaille beaucoup, moi perso, avec les mains et mon poignet. Moi, j'avais souvent mal au dos, et depuis qu'on fait le réveil musculaire, j'ai beaucoup moins mal au dos. De l'autre côté ? Ça nous apporte un peu de convivialité entre les collègues, qu'on n'a pas dans la journée, on peut pas, on travaille. Et là, le matin, voilà, ça nous apporte ça, on peut rigoler, on peut jouer un peu entre nous. Ça nous fait du bien. Merci. 10 minutes d'exercice tous les jours grâce au conseil d'un coach sportif. Le coach sportif en fait est venu analyser les postures des collègues sur les chaînes et pour pouvoir en fait adapter les mouvements par rapport aux muscles en fait qui allaient être sollicités. Il est venu 3 jours par semaine pendant 4 mois pour nous former finalement et puis ensuite on a pris le relais. L'exercice physique pour se sentir mieux, c'est précisément le leitmotiv de cette grande enseigne de sport. Ici, les salariés se retrouvent régulièrement sur leur temps de pause pour échanger quelques passes. C'est important pour l'ambiance dans le magasin, c'est vrai que ça se ressent. Et quand on se voit en dehors pour pratiquer du sport, qu'on soit vendeur en CDI, en CDD, responsable, directeur, c'est vrai que là, il n'y a pas de métier, quoi. On est tous sportifs. Bon appétit. Bon appétit. On est plus des amis que des collègues ici, donc c'est vrai qu'on passe aussi du temps en dehors des murs du magasin, sur nos jours off, entre guillemets, donc notamment les dimanches, où on fait pas mal de courses à pied ensemble, il y en a qui font du basket, des choses comme ça. S'il y a autant d'affinités, c'est aussi parce que le magasin a lancé une vingtaine de projets pour permettre à chaque salarié de faire avancer l'entreprise. Émilie Sorek, par exemple, est en charge de la qualité de vie au travail. Et la séance se ferait là où... Ça serait à la maison des associations. Ce jour-là, avec ses collègues, elle réfléchit à la mise en place d'une nouvelle formation. Minimum 4, on est largement 4, bon. On est large. Après, ça sera, si on est plus de 12, il faudra faire 2 groupes. Les actions menées sont multiples. Handicap, bien-être, lien intergénérationnel, mais toujours le même objectif, renforcer les relations entre salariés. Est-ce que tu pourrais acheter un like sur le maillot de l'OM ? Savoir si c'est une commande Les gens, en fait, qui n'ont pas l'habitude de parler entre eux parce qu'ils ne se connaissent absolument pas, ils ne savent même pas tout ce qui est situation familiale, d'où ils viennent. Il y en a qui ont découvert qu'ils étaient limite pas voisins, mais qui habitent à côté et qui ne sont jamais parlés, jamais rencontrés. Donc du coup, ça met en place du covoiturage, ça met en place... Enfin, il y a plein de choses qui découlent des moments qui sont passés à échanger et à discuter entre eux. Quoi. Dans d'autres entreprises, les initiatives se multiplient aussi. Salles de détente, cours de yoga ou même de cuisine. Le bien-être est devenu un défi. Mais attention, certains professionnels mettent en garde. Il ne faut pas oublier l'essentiel. Le management, c'est important. Le bon management, être à l'écoute des salariés, ça c'est primordial. Mais être réellement à l'écoute, pas faire la politique de l'autruche dès qu'il y a des problèmes. Si on met une salle de pause, une superbe salle de pause, mais que finalement on s'occupe pas des vrais problèmes, la salle de pause n'a pas d'intérêt. Il faut des formes d'intervention beaucoup mieux pensées, centrées sur l'humain, et prenant en compte aussi la façon dont le travail s'exprime et l'environnement de travail dans son ensemble. Donc c'est une ingénierie globale qu'il faut penser pour améliorer les questions de bien-être au travail et pas simplement des mesurettes techniques qui ne répondent pas aux enjeux. Justement, dans cette entreprise de fabrication de sacs, le directeur dit vouloir placer l'humain au cœur de ses projets. L'industrie peine à recruter, alors bien sûr l'intérêt pour lui c'est d'arriver à garder ses salariés.
Ils sont donc associés aux prises de décision, sont formés et bénéficient de plusieurs avantages sociaux. Faire le bien dans l'entreprise, c'est un investissement. Des fois, ce n'est pas un investissement qui a un retour direct. Ce n'est pas comme vous achetez une machine et vous avez un retour sur investissement. Là, ça coûte de l'argent de faire de la RSE. Et quand vous êtes un peu en période de crise, vous dites ben, « Est-ce que je vais donner une augmentation ? Est-ce que ben, tiens, je vais continuer à faire le réveil musculaire ? C'est 15 minutes de production tous les matins qu'on ne fait pas. » Je dis ben, « Non, je continue de faire ça parce que c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime faire. » Et puis je pense que ça amène un côté positif dans l'entreprise. Il essaye toujours de nous élever un peu plus et pour nous c'est très très important parce qu'au moins notre travail est valorisé et nous en tant que personne on est valorisé aussi. Tous ici ont des horaires aménagés, décidés par les salariés eux-mêmes à la majorité. Ça me permet aussi moi de pouvoir aller chercher mes enfants à l'école. Je suis éducateur sportif dans un petit club de foot de la région, donc c'est vrai que moi le mercredi après-midi à finir à 16h20, je peux aller faire mon entraînement avec les enfants. Des salariés plus heureux grâce à un management innovant, c'est aussi le pari fait par cette grande enseigne. Le groupe existe depuis 44 ans et il est en train de changer. Fini la hiérarchie pyramidale avec des décisions qui viennent d'en haut. Désormais, elles se prennent collectivement. On va regarder ensemble les points qui sont à travailler et les points où on peut un peu se féliciter, mais du coup à maintenir. Ce jour-là, par exemple, les salariés doivent définir ensemble quels sont les axes de progression du magasin. Heureux au travail. D'accord. La pratique du sport ensemble. On fait des victoires. Et la pratique du sport aussi. Ok. Donc là, on a déjà des axes qui ressortent pas mal. Chaque décision, maintenant, on va dire qu'elle est prise en collectif, ça va prendre plus de temps que si, en fin de compte, l'équipe encadrante la prenait. Par contre, une fois que c'est lancé, ben, c'est beaucoup plus durable. Et aujourd'hui, l'entreprise, ce qui est hyper important, c'est qu'on n'est pas non plus dans le monde des bisounours. On a quand même, du coup, une entreprise à faire tourner, mine de rien. Donc, il y a aussi un côté économique. Donc, est-ce que ce que l'on mène sur le magasin crée de la valeur économique ? En tout cas, aujourd'hui, oui, parce qu'une personne qui se sent bien dans l'entreprise va aussi du coup se sentir bien face à ses clients en face de lui. Donc les clients aussi vont se sentir aussi plus heureux quand ils viennent en magasin, donc ils viendront encore plus souvent. Je vous remercie. Au revoir. Et les salariés adhèrent à ce changement. C'est très gratifiant parce qu'on est là pour mettre de l'huile un petit peu dans le rouage, de faire monter en compétence les collaborateurs, les aider à s'épanouir. On est dans cette autonomie de travail, cette responsabilisation, c'est quelque chose qui nous, les vendeurs, nous passionne, quoi. Trouver le bon management, c'est bien tout l'enjeu pour les entreprises. Pour y parvenir, certaines font appel à des coachs professionnels. Jean-Pierre Fiasson est ingénieur. Il a travaillé pendant des années dans l'industrie, avant de devenir coach il y a 14 ans. Il enchaîne désormais les rendez-vous. Ce jour-là, il va chez ce leader mondial qui conçoit des solutions de paiement pour le stationnement. Yannick Donzé, lui, travaille dans l'entreprise depuis 18 ans. Il est devenu responsable de service il y a quelques mois. Pour se sentir plus à l'aise dans ses nouvelles fonctions, il peut compter sur les conseils de son coach. Voilà, quand tu dessines ça, qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur, à un moment donné, tu ne te sens pas à ta place ? C'est dans le fait d'avoir pris cette position centrale dans l'équipe, où il va falloir que je définisse mon rôle dans les interactions que je vais avoir avec mon environnement stratégique. Ce que j'apprécie, c'est l'aspect confidentialité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extérieur à l'entreprise, mais qui ne rend pas de compte à l'entreprise. Et donc, on peut aborder des sujets qui peuvent être parfois embarrassants, entre guillemets. Des repères et après quatre séances, Yannick constate déjà des progrès. Ça m'a apporté plus de recul, plus de sérénité dans le rôle. Avant, peut-être dans certains cas, j'avais tendance à réagir à chaud et donc essayer d'imposer des choses ou de faire une critique pas forcément constructive à certains collaborateurs. Là, avec les outils qu'on a, on peut mieux structurer la manière d'échanger. Donc en fait, ton questionnement, il est comment valider en fait les attentes réciproques. C'est ça. Ok. Voilà. Bon, mais c'est plus clair. Ce qui me passionne, c'est de voir comment des personnes peuvent développer leur niveau de conscience, lever des croyances qu'elles peuvent avoir sur elles, qui sont des croyances avec des fois des effets très limitants, lever des peurs, voilà, et permettre aux personnes de s'épanouir. Et derrière,
du coup, au système aussi de s'épanouir. Si les personnes vont bien, ça fonctionne. Quand on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, alors on est bon. Ici, d'autres responsables d'entreprise sont eux aussi accompagnés par des coachs. Bien sûr, pour l'entreprise, cela a un coût, environ 35 000 euros par an, mais la direction croit au retour sur investissement. Si on croit en eux, on investit en eux, il y aura forcément des retours à un moment donné sur l'efficacité, sur l'efficience, sur les équipes, comment ils vont travailler ensemble. Il y aura forcément une meilleure entente, donc une meilleure rentabilité. Si de plus en plus d'entreprises ont pris au sérieux cette question du bien-être, le chemin est encore long pour que toutes s'imprègnent de cette problématique. La souffrance au travail concerne encore bien trop de salariés. Cette psychologue en fait régulièrement le constat. Les patients que j'ai le plus souvent, c'est ceux qui viennent du milieu du soin, de l'industrie et des milieux bancaires. Là où il y a des contacts avec les usagers, les clients, les patients, où il y a des agressions et les structures qui grandissent. Résoudre la question du bien-être au travail, est-ce seulement rendre heureux ses salariés ? Non, estime ce professeur, pour lui le problème est plus profond. Un salarié vraiment heureux est un salarié qui sait pourquoi il est là. Le plus important, c'est de trouver un sens à son travail. Le sens, on peut le comprendre de différentes façons. Il y a tout d'abord comprendre la fonction, l'utilité de son travail, la signification de son travail, à quoi ça sert, ce que je fais finalement, quelle est l'utilité fonctionnelle et sociale du travail. Il y a aussi la direction, c'est-à-dire vers où je vais finalement, quel est l'objectif de mon travail, quelles sont les finalités à terme pour l'organisation, mais aussi pour moi-même. Le travail, c'est un élément important dans notre vie pour 85% des Français d'après un sondage BVA. Et même s'il prend de plus en plus de place, la majorité des salariés s'estiment satisfaits de leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Emmanuel Estra, vous êtes le directeur de l'ARACT Bourgogne-Franche-Comté. Alors l'ARACT, c'est l'Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. C'est quoi votre mission ? Alors notre mission, c'est d'intervenir auprès des entreprises de la région Bourgogne-Franche-Comté et de travailler sur nos grandes thématiques, prévention des risques professionnels, qualité de vie au travail, accompagner des projets de transformation dans les entreprises ou encore des missions sur l'égalité professionnelle, la mixité, la diversité. C'est très différent du travail de coach de certaines agences, comme on vient de le voir dans notre reportage. Alors oui, tout à fait. Moi-même qui suis issu dans ma carrière professionnelle de différents cabinets, l'association en fait défend des interventions participatives qui puissent permettre d'embarquer tous les acteurs de l'entreprise, le dirigeant, les représentants du personnel. C'est quoi ? Conscientiser avant que les problèmes arrivent, alors que le cabinet privé va intervenir quand il y a des conflits, par exemple ? Alors oui, nous, on intervient essentiellement sur de la prévention primaire, c'est-à-dire en amont des problématiques. C'est-à-dire que l'ARACT ne fait pas de médiation, ne corrige pas, ne répare pas, mais intervient avant que les problématiques arrivent. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces chefs d'entreprise ? Qu'est-ce que vous leur conseillez exactement ? Est-ce qu'il y a des grands axes de travail pour éviter un certain mal-être au travail, voire des choses qui peuvent arriver en escalade derrière, comme les burn-out, etc. ? Alors, on défend justement la mise en place de plans d'action qualité de vie au travail. Passe par quoi ? Alors, c'est un process social concerté. Donc, comme je vous l'expliquais, qui engage tous les acteurs de l'entreprise et qui va avoir des impacts sur le travail au quotidien des salariés. Et pour objectif de développer les salariés des entreprises et de créer également de la performance économique pour l'entreprise. Parce que qui dit mieux être au travail dit performance économique, c'est pas antinomique comme on a pu le croire à une époque. C'est ce qu'on défend. La performance sociale amène de la performance économique.
Alors, ça passe par quelle chose très concrète? Comment est-ce qu'on améliore la qualité de vie au travail? Alors, je vais vous prendre l'exemple d'une entreprise qu'on a accompagnée. Ici, dans notre région? Tout à fait, en Saône-et-Loire. Mmh. Alors, c'est une toute petite entreprise familiale où la dirigeante de cette entreprise a fait le constat que si elle devait perdre un de ses salariés, elle ne pourrait pas recruter, faute de pénurie de candidats, zone rurale, donc pas facile de recruter. Et donc, elle a pris le parti de fidéliser ses collaborateurs. Donc là, on est sur l'enveloppe qualité de vie au travail. Donc, elle a créé des chèques cadeaux pour Noël, des primes d'intéressement, de participation. Et donc, elle a créé une enveloppe sympathique. Ce qu'on peut faire pour une petite entreprise, on imagine que les plus grosses peuvent, créer des crèches inter-entreprises ou des choses comme ça qui facilitent la vie des salariés. Exactement. Et il ne faut pas s'arrêter au confort dans le travail, puisque là, c'est l'enveloppe. Par exemple, installer un baby-foot, installer c'est une table, joli. C'est joli, mais on ne parle pas du travail. Et cette dirigeante est allée plus loin, c'est-à-dire qu'elle a engagé ses salariés à participer à des salons, des forums, pour qu'ils puissent se perfectionner, augmenter leurs compétences dans leur métier. Elle leur a permis également de discuter l'achat de nouveaux matériels, puisque c'est eux, ces salariés, qui vont les utiliser. Et puis, ils sont même allés sur les horaires de travail pour les assouplir, pour permettre d'articuler, je dirais au mieux, la vie professionnelle et la vie personnelle. Pourquoi, selon vous, on en parle de plus en plus? Est-ce que le mal-être au travail, finalement, jusqu'au burn-out, c'est le nouveau mal du siècle? Alors aujourd'hui, cette notion de qualité de vie au travail, elle est apparue dans les années 50. Et effectivement, aujourd'hui, tout un tas d'entreprises s'emparent de ce type de problématiques pour se concentrer sur les salariés et éviter justement des situations graves qui peuvent s'opérer dans les entreprises. Parce que ça, vous, dans vos statistiques, il y en a quand même de plus en plus, c'est un constat? C'est un constat. On a une super action qui s'appelle Rallynov, qui valorise les entreprises innovantes socialement en Bourgogne-Franche-Comté. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter le site. Et on s'aperçoit que d'année en année, je dirais, cet événement réunit de plus en plus d'entreprises. Et c'est un sujet qui parle. C'est quoi qui pose problème aujourd'hui? On parle de plus en plus des difficultés et du droit à la déconnexion, par exemple. On est branché sur nos téléphones, sur nos ordinateurs en permanence et finalement, on ne déconnecte jamais. Est-ce que c'est l'un des problèmes de fond de notre société aujourd'hui? Alors oui, des déterminants de la qualité de vie au travail, il en existe, parce que c'est un vaste sujet qui est très dépendant de votre sensibilité. C'est-à-dire que si vous... on vous pose la question, c'est quoi la qualité de vie au travail? Vous allez peut-être me parler de reconnaissance, d'autonomie, de rémunération. Et puis d'autres personnes vont être plutôt sensibles aux relations sociales. Donc la qualité de vie au travail, je pense que l'élément à retenir, c'est que c'est un sujet très, très individuel, mais qui doit être porté par tous les acteurs de l'entreprise. Alors aujourd'hui, on ne peut plus faire sans, puisqu'on a l'impression que tout le monde en parle. Il faut donc améliorer les situations dans les différentes entreprises. C'est un petit peu ce que vous essayez de faire. On essaye de porter cette bonne parole et je pense que le plus important, c'est d'associer le plus grand nombre de personnes dans ce dialogue professionnel, dans ce dialogue social, pour avoir un impact le plus important possible. Merci Emmanuel Estrade d'avoir répondu à ces questions. C'est un autre véritable phénomène de société. Le coaching se développe depuis quelques années dans tous les domaines de la vie. Alors pourquoi se faire aider? Pourquoi améliorer sa condition physique ou prendre les bonnes décisions? Eh bien, tout simplement pour atteindre ses objectifs. Alors, est-ce un gage de réussite? C'est ce que nous allons voir. Donc là, objectif, on profite du beau temps, comme t'aimes bien dehors. Super. On va rester dehors. Okay. Allez, c'est parti, attrape la poignée dure, mets un peu de tension dans les sangles. Jeune médecin tout juste diplômé, Mélanie a décidé de se remettre au sport, avec un objectif précis, perdre quelques kilos. Une fois par semaine, elle retrouve Caroline, sa coach. Étirement, musculation, footing, transpirer, se faire mal pour se sentir mieux. Mini pause. Pourquoi se faire aider? Parce que voilà, on essaye un petit peu par soi-même de faire un petit peu quelque chose, mais au final... il n'y a rien qui marche, puis surtout on n'est pas assidu, on n'a pas la motivation tous les jours. Le coach, voilà, c'est quelqu'un qui est là, qui est derrière soi, qui nous dit quoi faire, comment le faire. Et tu t'équilibres avec l'autre bras libre. Allez, à toi de jouer. La majorité, c'est de la perte de poids. J'ai aussi pas mal de sportifs qui sont déjà des bons sportifs et qui veulent se préparer par exemple pour un objectif.
Je fais des préparations pour des trails, des marathons, vraiment des planifications type course à pied. Et après, j'ai des gens, c'est plus pour du bien-être. Allez, 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 allez. Faut que ça brûle dans ta jambe d'appui, là. Faut que ça chauffe la cuisse, faut que ça chauffe. Allez, la dernière. Yes, tu peux relâcher. Super. Dans un tout autre genre, mais avec aussi des objectifs de bien-être, Chantal propose un accompagnement pour changer de voie professionnelle ou résoudre des conflits. Après des années dans la gestion et les ressources humaines, elle aussi a franchi cette étape après un burn-out. C'est vrai que de l'avoir vécu, je peux plus facilement me mettre à leur place, hein, faire preuve d'empathie et puis les accompagner. Par contre, cette fois avec des outils et la profession de coach qui fait que je peux les accompagner au mieux dans cette étape effectivement de changement. Chantal conseille Aurore dans son projet de reconversion. Bonjour, bonjour Chantal. Aurore travaille en Suisse, mais mène parallèlement une activité de massage bien-être à laquelle elle voudrait se consacrer pleinement. Je te laisse t'installer. Oui. Dans mon projet professionnel, effectivement, j'ai encore beaucoup de blocages, de peurs liées au fait de savoir si ça va réussir. Et je pense que c'est important pour moi d'être accompagnée. Pour Mélanie, la séance se poursuit en salle. Ici, pas d'alternative, il faut tirer, pousser et le plus fort possible. Pour que ce soit efficace, il faut se faire mal. Oui, malheureusement oui. Ça serait trop facile sinon on aurait tous des corps de rêve, mais ouais. Il faut se faire mal, il faut se mettre dans le rouge, faut... Honnêtement, sur le coup, on essaie juste de ne pas mourir. Puis ensuite, c'est vrai qu'il y a la voix de Caroline derrière et en fait, on est vraiment dans sa bulle, on est avec elle et on écoute ce qu'elle nous dit. Vraiment, heureusement qu'elle est là parce que... Ouais, tout seul, allez, ce serait allez, pas allez, pareil allez, du tout, ce serait super. Pas pareil. Relâche un petit coup, récupère. Moi, j'ai des gens, et pour moi, c'est ma plus grande fierté, qui maintenant sont des grands sportifs et qui avant pratiquaient pas du tout et qui maintenant sont accros et peuvent pas passer une journée sans faire de sport. Et ils m'envoient des petits messages pour me remercier. C'est génial, c'est gratifiant. Face au paysage verdoyant et harmonieux du Haut-Doubs, Chantal propose à Aurore une séance de relaxation. Le dos bien droit, les pieds bien à plat au sol... Parce que ça facilite la circulation d'énergie aussi également. Hein, une manière parmi d'autres de retrouver ce qu'elle appelle son GPS intérieur pour mieux s'orienter dans les méandres d'un nouveau projet. Sortir de ma zone de confort, hein, parce que voilà, le salariat, on est quand même dans un cocon, hein, il faut le dire. Et voilà, c'est vraiment un challenge pour moi. Et dans ce cadre-là, l'accompagnement, c'est quelque chose qui est idéal et qui va vraiment m'aider à cela. Je t'invite à ressentir l'air tout autour de toi. En 5 à 10 séances, Chantal aide à franchir un cap professionnel ou personnel. L'idée générale est de mieux mobiliser ses capacités pour avancer plus sereinement. Les douleurs, on dit... Si je ressens une peur, en fait, ça peut tout simplement être parce que j'ai à me former, à maîtriser davantage certains éléments, à m'organiser. Donc les peurs, ce sont nos alliés. Du coup, la confiance, elle découle d'action que j'ai réussi à mener et c'est pas je cherche la confiance en elle-même. Tu as conscience que tu as réussi à exprimer des sensations, des émotions et que d'habitude ça t'était très difficile. Donc ça c'est un grand pas en avant. Au fond, on est sur cette démarche d'accompagner la personne à être connectée à ses ressources, à trouver ses propres solutions et puis aller de plus en plus dans le respect de soi, de ses besoins, vers ce qu'elle aime, vers ses envies et du coup, elle se sent mieux. Retour en extérieur pour Mélanie et Caroline, cette fois pour une séance de fractionnés. Effort intense et récupération répétée pour améliorer l'endurance. Au top, je suis fière de toi. Oh, merci Gao. T'as assuré. Mon objectif c'était la perte de poids. Là j'ai déjà perdu 4 kilos grâce à Caroline. Je la remercie. Et il y a encore un petit peu de chemin à faire, mais on va continuer ensemble. Puis en tout cas c'est en très très bonne voie, donc je suis très contente. Encore un mois ou deux et puis je pense que tu auras atteint ton objectif et tu pourras voler de tes propres ailes. On y croit.
Oui. 7, 8, 9, 10. Balance la corde et t'es reparti. Allez. L'organisme, au final, il est super bien fait. Et si on fait toujours la même chose à la même intensité, bah, il se met en roue libre et on ne progresse plus et on n'atteint pas ses objectifs. C'est pour ça que souvent, un coach, eh ben, même moi, quand je m'entraîne, si je n'ai pas un partenaire d'entraînement qui va m'aider à me dépasser, eh ben, on a vite fait de se mettre dans sa zone de confort, comme on dit si bien. Et c'est pour ça qu'on est là, le coach, pour aider à dépasser ça. Si l'injonction de performance est souvent vécue douloureusement, le coaching impliquant des personnes volontaires permet d'atteindre des objectifs réalistes pour son propre bien-être et celui de son entourage. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro d'Enquête de Région. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous. Tout va trop vite. Oui, faut que ça s'arrête. Tout va trop vite, oui, faut que ça s'arrête.